Ok, aujourd'hui c'est votre jour de clinique et je suis très content de recevoir tous mes mails. Aujourd'hui je vois déjà les chiffres glycémiques élevés. Ça me dit qu'on a bien fêté. Ça me dit que les fêtes étaient bonnes. Donc, félicitations à vous tous. Oui. Ça veut dire que même comme on est malade, on n'a pas oublié la vie. C'est très important. Oui. Donc, l'année passée, on a célébré le jour mondial de la diabète. C'était le 11 décembre. Je demande qu'est-ce qui était le thème de ce jour-là. What was the theme of the World Diabetes Day in November last year for those who were here? Oui, maman. Thank you. Applaudissez pour elle. So, on a dit que c'est la diabète et la famille. Parce que, étant diabétique, ta famille est à haut risque d'avoir la diabète. Parce que la première facteur de risque, c'est un facteur génétique. So, we say diabetes and the family because when you're diabetic, your family is at increased risk of having diabetes because genetics is the strongest risk factor for having diabetes. Deuxièmement, ta famille, c'est ta clinique le plus proche. Donc si tes enfants connaissent ce qu'est la diabète, si ton mari ou ta femme connaît ce qu'est la diabète, il peut te encourager, il peut te supporter pour votre traitement. Second, your family is the closest hospital you have. If your children understand your disease, and your wife or your husband understands your disease, he's going to support you in your care. So that is the goal. That is why we are creating this clinic today, and this year we are starting at noon. We need to treat people each month on threatening things on your disease to empower you. Donc cette année, chaque mois, vous aurez des séances comme ça pour vous éduquer. Comme ça, vous pouvez prendre votre prise en charge à vous-même et l'insuline. Ce qui manque, c'est l'insuline. Et donc, on a un taux de glycémie élevé. Et on devient diabétique. We have three words: diabetes, glucose, and insulin. Insulin is absent, glucose climbs, and you have diabetes. Maman, on a vu. Vous êtes déjà avancé. Donc maintenant, quand vous posez maintenant en main, on a plusieurs types de diabète. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a trois types qu'on va parler. Ok? So, there are many types of diabetes, but for your purpose, we have three types that we are going to discuss today. So, we have diabetes which is type 1, we have type 2 diabetes, and we have gestational diabetes or diabetes in pregnancy. Donc on a trois types de diabète qu'on va parler aujourd'hui. Le diabète de type 1, type 2 et le diabète gestationnel, donc le diabète chez les femmes enceintes. Il y a les jeunes ici qui peuvent tomber enceintes, qui sont déjà diabétiques. Leur cas est spécial et leur prise en charge est différente. Voilà pourquoi on enlève cette cancer comme un type de diabète. Donc qu'est-ce que la diabète de type 1? La diabète de type 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'insuline dans le sang. Donc, ce qu'on appelle le pancréas ne sécrète pas l'insuline. Ça arrive la plus près dans 10% de la population et aussi dans les jeunes. Donc, il y a des enfants qui sont nés parce que les parents étaient diabétiques comme nous, qui sont nés avec une prédisposition pour avoir la diabète. Ils n'ont pas l'insuline. La diabète de type 2, ça arrive à 90% de la population. Et celui-là, c'est parce que la dose de l'insuline est baissée avec l'âge et aussi les cellules ne répondent plus à l'insuline. So there are two types, many types of diabetes. Diabetes type 1, which occurs in 10% of the population, and this is because these persons don't have insulin. For some genetic reasons, they are born and they cannot secrete insulin. Probably because their parents have diabetes and are increased risk of developing this disease. Diabetes type 2 occurs in 90% of the population, and this happens because the level of insulin in blood is reduced with progressive age, or the cells in the body do not respond to insulin that is given. Now,
The last type is diabetes in pregnancy. You are pregnant and you become, you have elevated blood sugar, and so we tell you diabetes in pregnancy. It's a transitional state or it becomes permanent. Donc, la troisième type, la diabétique dans les femmes enceintes. Donc, vous tombez enceinte, là on constate que la courbe de glycémie commence à élever. Ça peut être un état transitoire où ça s'installe définitivement. Donc, si ça s'installe définitivement après la grossesse, on va continuer avec le traitement. Mais si c'est transitoire, après ça, on va arrêter le traitement. Donc, voilà les trois types de diabète que je voudrais que vous sachiez aujourd'hui. Et surtout, le diabète de type 1, parce qu'on va éduquer nos enfants qu'il y a un diabète qui peut affecter les enfants aussi. I want people to know about this diabetes because it is important for you to educate your family, especially of the type 1 diabetes, because it affects the youth and the children, especially your children who are at increased risk of having diabetes. So what are the signs and symptoms of diabetes? What do we care? What should you identify in your children to say this person is diabetes? Quels sont les signes de la diabète? Quels sont les symptômes de la diabète? Frequent urination, je pisse trop, docteur, je pisse trop. Plusieurs personnes ont dit ça, je connais beaucoup pisser cette nuit, je pisse tous ces derniers jours. Feeling thirsty, docteur, j'ai trop, je bois l'eau beaucoup, je me sens soif trop. Feeling hungry, docteur, je mange trop, j'arrive pas à contrôler la est-ce qu'il y a un médicament qui peut baisser l'appétit? N'est-ce pas? Ce sont les questions qu'on pose tous les jours. Donc, je suis très fatigué, je ne sais pas, je mange seulement un peu, mais je suis fatigué, extrême fatigué. On sait que ça arrive parce qu'il y a la glucose dans le sang, mais les cellules n'arrivent pas à utiliser la glucose parce qu'il y a manque de l'insuline. Oui, il y a l'insuline résistante. So, I am tired, but I'm eating. I am eating much, but I'm still tired. What is happening? The glucose in the blood, but your cells cannot utilize this glucose. Next, donc, je ne vois pas bien. Ma vision est floue, mes yeux coulent, ah, mon signe clair. La glucose est déjà montée jusqu'à ça arrive dans les yeux. On ne voit pas bien, on voit flou. On dit que c'est combien plus que nous, c'est 10 ans, donc c'est pas 5. Voilà les symptômes de la diabète. Oh, docteur, mes plaies, mes blessures. J'ai une blessure déjà 10 ans, ou ça fait déjà 6 mois, ça n'en cicatrise pas. Qu'est-ce qui arrive, docteur? En fait, la glycémie, c'est à 6 ans. Voilà les signes de la diabète. Bon, docteur, je perds du poids, j'ai beaucoup perdu du poids ces derniers temps. Qu'est-ce que je sais pas que c'est, mais je perds du poids, je mange beaucoup, j'ai bien l'appétit, je mange trop, je pisse trop, mais je perds aussi du poids. Qu'est-ce qui arrive, docteur? C'est possible, vous avez la diabète, tu manges bien, qui a la glucose qui vient dans le sang, mais pour une certaine raison, la glucose ne passe pas, les cellules ne disent pas. Qu'est-ce qui arrive quand on ne mange pas, quand les cellules ne mangent pas? On va perdre du poids. Ah, docteur, mes hommes, je ne sens pas mes mains. Oh, les pieds chauds, je ne sens pas les pieds. C'est comme s'il y a des fourmis qui marchent dans le corps. Donc, c'est ce qui m'arrive. On va envoyer un poison au gaz. Non, ce n'est pas le poison. C'est la glycémie. Oh, docteur, I'm not feeling my fingers. My legs are feeling. Oh, my hands are my chest. Hands are moving in my body. I was poisoned in the village. No, you were not poisoned. It is hyperglycemia. Are we together? On peut maintenant éduquer nos enfants sur les symptômes ou sur les signes de la diabète. Ça va. Maintenant, on va passer à l'hypertension. Parce que il y a un. What is hypertension? Quelle est l'hypertension? Donc, pour une certaine raison, il y a les personnes que la tension est augmentée dans les veines. J'appelle les veines parce que c'est que nous tous on connaît. Hein? Les veines. C'est élevé. Donc, vous voyez, ça montre que la tension est élevée. Donc, si ça arrive dans nos cerveaux, ça va poser quelque chose. Si ça arrive dans nos cœurs, ça va poser quelque chose. Si ça arrive dans n'importe quoi dans la circulation, ça va poser plusieurs choses. Donc, ce qui est l'hypertension, c'est que pour une certaine raison, pour 98% des personnes, il y a une personne qui est augmentée dans les veines. Donc,
Hypertension occurs when, for some reason, the pressure in the vein is elevated. I'm using vein cells to make you understand, because that's what we all know, where blood flows. The ulnar vein is that aspect in the vein. Now, for some of us in Africa, we have a lot of poor lifestyle and we eat so much cholesterol. And now we have fat that is deposited in the vessels. If we look at these two images, you are seeing that this one is completely red. But here we have some yellowish things in the middle of the vein. Okay? So, blood is passing, and because it's narrow, the pressure will increase. Donc, c'est une personne qui a le sous-poids ou qui mange trop de l'huile, de graisse, trop de graisse. La graisse se place dans les veines et ça diminue la taille du vaisseau. Et maintenant, si on compare les deux images, on voit que c'est tout rouge et il y a quelque chose en jaune dans l'image là. Et on voit maintenant que l'espace pour les globules où ça peut passer, c'est diminué. Ouais. Et voilà ce qui pose maintenant que la tension dans les veines ou dans les vaisseaux augmente. Et on a quoi? Libère C/99. And your hypertensive ratio, when your blood pressure is greater than 160/110. So for you today, know that you are hypertensive when your blood pressure is greater than 140/90. Nous aujourd'hui, il faut connaître que vous êtes hypertensif quand tes chiffres tensifs est égal ou supérieur à 148/86. Ou d'autres personnes que quand c'est égal et supérieur à 14, si 9, on te dit que vous êtes hyper tendu. Maintenant, quand on est hyper tendu, quels sont les symptômes? Premièrement, on a les maux de tête. Deuxièmement, on dit qu'on a mal au poitrine. Ok? On a mal au poitrine. Je suis pas mal au poitrine. On a déjà traité pour l'estomac, mais ça ne va pas. J'ai toujours mal. C'est le cœur qui est en train de souffrir. Il faut qu'on contrôle l'attention. Et troisièmement, on ne voit pas clair. Troisième image de tout, n'est-ce pas? Oui. On ne voit pas clair, docteur. On ne voit pas clair. La tension qui est élevée dans le cerveau, ça fait qu'on voit. Donc, j'ai les maux de tête ces derniers jours-ci. Je suis trop stressé. J'ai les mal de nez, comme on appelle. Ça ne voit pas. Docteur, je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Docteur, j'ai mal à respirer. Quand je dors la nuit, je suis insoucié, je ne sais pas, quand je marche un peu, je suis insoucié. Quand je suis très fatigué, c'est dernier, je suis même quand je ne travaille pas. Ou docteur, j'ai du mal au poids, je ne sais pas. Je ne sais pas si le mal de cœur, comme on dit souvent, ou les nez, si ça ne me lève pas, ça ne me lâche pas, c'est dernier. Oh docteur, ce jour, si j'ai allé pisser, j'ai voir le sang dans les yeux, je ne sais pas si ça a mis. Oh, il est tout à docteur, je sens comme si j'ai des palpitations, mon cœur va pisser. Ça va pas, je regarde même dans mon poisson, je vois comme ça va. Ça, ce sont les symptômes de l'hypertension. Je sais qu'entre nous, il y a des personnes qui ont envie une de ces choses. Je sais ça. Oh, doctor, my head is aching this last day, so I can't keep it up. What they call nerves, my nerves are paining. I don't know what's happening to me. Ah, doctor, yes, now I was just working on my heart chest. I feel my heart beating. I don't know. They keep telling me for gastric, but it's not going, doctor. What's happening? I'm so tired this day, I walk with you and I look tired. My sister, my brother, yeah. Donc, quand on est déjà tous les qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? When you know all of this, what do you tell somebody who complains with this beside you? Il faut consulter. Il faut consulter. Donc aujourd'hui, vous avez l'éducation. Donc éduquez votre famille, éduquez tes enfants, éduquez tes amis par rapport à les symptômes des tensions, par rapport à les symptômes. Et il faut faire consulter. Parce qu'il y a les complications. On va vous en parler des complications. Il y a entre nous qui ont déjà les complications de la diabète. Il y a nous qui, on a les amis qui ont déjà la diabète. On a les amis qui ont déjà fait l'AVC. Il y a les amis qui ont une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque. Ça, ce sont les complications de l'hypertension et la diabète. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Parce que moi,
L'équipe ici ne veut pas qu'on atteigne les complications là. Et voilà pourquoi on prend le temps de vous éduquer avant de donner les médicaments. Parce que les personnes qui prennent les médicaments, ils jettent. Ils ne prennent pas. Ils viennent prendre le docteur, ils laissent seulement deux comprimés. Mais moi, nous, on connaît que nous, on n'a pas pris les médicaments. Ce n'est pas une punition, c'est parce que moi, l'équipe ici, je veux pouvoir. Les petits enfants. Je veux que vous amenez nos frères et sœurs au mariage. Ça ne prend pas le temps de vous expliquer. Oui, maman. Moi, je vous parle. Merci beaucoup. Ok, maman. Je dis déjà et je le dis. La facteur du risque majeur de génétique. Déjà, pour nous qui ont la peau noire, l'État africain, nous sommes déjà en haute risque que 10% en Europe pour avoir la peau. Ok. Donc, voilà ce qui est la facteur du manger. Donc, voilà pourquoi on dit que la diabète, ce n'est pas une maladie, c'est un état. Vous voyez, c'est un état de vie. Donc, quand ça tue déjà, on ne peut pas changer. On va seulement aider que vous amenez une vie normale. Mais c'est un état. Et maintenant, on a des facteurs de risque qui augmentent ou qui précipitent qu'on a la diabète. Donc déjà, on mange trop la veille. On ne fait pas le sport. On alimente pas plus. Et donc, voilà les facteurs de risque qui ajoutent ça. Quand on fume, quand on prend trop de l'alcool, tout ça augmente les risques. Ça va faire que maintenant, on suit les oranges ici, non? N'est-ce pas? Quand tu commences à suivre les oranges, l'eau sort beaucoup, non? Le jus sort beaucoup. Il y a la peine de tout sort. Il n'y a plus. Donc voilà ce qui arrive. Quand on n'alimente pas bien, pendant les années, on a besoin de sucer l'orange dans le pancréas. Le jus là, c'est l'insuline. Ça commence à produire l'insuline. Et on va appuyer, et qu'est-ce qui arrive? Le jus ne sort. Et maintenant, ça persiste parce que pourquoi? On n'a pas bien alimenté. On a demandé beaucoup à le pancréas tôt. Et c'est la même chose. Quand on utilise quelque chose, ça va se terminer vite. Non, maman, vous avez une dernière question. Pendant les besoins de la grossesse, mais à partir de 7 mois, on a vu la glycémie à la et à l'accouchement, tout est redevenu normal. Mais quelques temps après, quelques 8 mois après l'accouchement, tout a recommencé. Vous avez bien suivi une histoire là, c'est une question importante. On va laisser ta fille venir donner ça, mais c'est bon. Voilà. Ok. Donc, elle a dit que quand on a commencé le traitement de diabète, je n'ai pas augmenté. Elle a fait des choses de bon normal. Elle a fait le traitement de ça. Elle était à 7 mois et demi, la tumeur montée. Elle a accouché. La tumeur s'est normalisée. Et après 8 mois, après l'accouchement, ça a recommencé. Donc, ce que je veux dire, c'est que la diabète, c'est un état. Ok? C'est un état. Depuis ça, c'est un stade. C'est là. Ok? On peut contrôler ta glycémie dans des niveaux normaux. Même pendant 4 ans. Vous voyez? Oui. Mais quand je dis, regardez l'orange, après de 5 ans, le jus ne va plus. Vous voyez? Donc c'est pour rester long. Donc quand on a déjà contrôlé le
fois, c'était un peu pour y avoir encore beaucoup de jus. Vous voyez, et on a vécu ce qui aidait l'organisme de ne pas sécréter trop de jus. Et il a pris, quand on a arrêté le support, si on avait la fontaine à couler, ça va, le nom va sortir pour le moment. Donc, ça a commencé, ça a aussi continué. Et maintenant, ça arrive à un état où maintenant, le jour que ça poussait, ça ne pouvait pas travailler. Et ça a commencé à manifester. Et la grossesse, c'est un état métabolique élevé. Ça demande trop fort. Et si on avait déjà ça, ça va se manifester. Donc dans la grossesse, ça te disait déjà, non, je suis encore là. Pourquoi oublier de moi? Parce que la grossesse, je disais. Mais tu avais déjà que non, pourquoi vous m'avez oublié pendant 2 ans? Non, n'oublie pas, je suis encore là. Oui, voilà ce qu'il t'a dit. Et quand le stress qui était la grossesse se partit, le client est en moment. Et après ça, maintenant, ça a encore mis à sortir. Et on est arrivé maintenant à un niveau que, ok, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus assez de jus. On a besoin maintenant de support et maintenant de manifester. Et maintenant, je veux dire qu'il ne faut pas arrêter le traitement. Parce que si on fait un bilan de base de vous très intense, on va constater que l'état que vous étiez 2 ans avant, vous ne devez pas atteindre cet état que vous avez aujourd'hui si vous devez ce traitement. Voilà ce qu'on est fait. Parce que justement, aide de baisser la vitesse que le jus là va finir dans l'orange. Merci et à plus tard.